termes de structure. Il y a les terrains, il y a tout ce qu'il faut pour travailler. Ensuite, il y a le talent, il y a le potentiel. Donc, il y a des joueurs qui ont du talent, qui ont du potentiel pour progresser, qui correspondent un peu au profil de joueurs que nous, on attend, notamment dans la formation. Ensuite, il y a le travail de terrain, bien sûr, tout ce qui est technique, tout ce qui est football. Mais il y a aussi tout ce qui est suivi, parce qu'on travaille par rapport à trois axes. Il y a l'axe sportif, bien évidemment, mais il y a aussi l'axe éducatif, il y a aussi la scolarité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est au quotidien avec ces enfants-là et qu'il y a un véritable suivi par rapport à ces trois objectifs.